Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur FF17 les amis, mais sur Cattle and Crops. Oui, j'ai tout simplement fait un petit don au jeu et j'ai pu accéder à la démo. Tout simplement parce que je trouvais que voilà, c'était plutôt sympa de les aider aussi. Et puis voilà, ça me permet aussi de tester un petit peu le jeu, parce que j'ai vu toutes ces vidéos qui sortaient sur l'ensilage, tout ça, je me suis dit pourquoi pas essayer ça, puis pardon. Et puis essayer un petit peu le jeu, voir un petit peu ce que ça vaut. Donc j'ai pas vraiment testé, honnêtement, je découvre un petit peu avec vous les amis. Mais rien qu'à voir déjà les véhicules, les amis, ils ont vraiment de la gueule. Regardez-moi cette action 940 les amis, qui est juste magnifique. La petite Jaguar 960, franchement la 3D est vraiment jolie. On dirait un mod tellement c'est beau. Ouais, franchement ça a vraiment de la gueule. Donc je ne connais pas vraiment le jeu les amis, du moins dans les touches tout ça, j'ai pas vraiment regardé. J'ai juste vu qu'on peut enlever la TH et mettre la TH avec F7, donc c'est déjà pas mal. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc apparemment il faut aller vers l'ensileuse. Donc j'avais vu dans différentes vidéos. Ah ouais d'accord, hein, mais je pousse avec, je suis surhumain quoi. Je pousse le bec. Ok, donc là je suis là, d'accord. Donc je monte dedans. Ok. Apparemment on a lissé tout ça à l'intérieur. Avec la touche contrôle gauche, ouais, on peut ouvrir et fermer la porte. D'accord. Ouais, il y a pas mal de choses. Écoutez, on démarre ici apparemment. Ah ouais, putain, ça franchement c'est stylé. De pouvoir démarrer comme ça les amis, c'est vraiment sympa. On va ouvrir, bah, pourquoi pas ouvrir cette petite fenêtre là. Bon, apparemment il y a pas mal de choses, tout ça. Ça, bah, d'accord, c'est pour baisser le volant. Console rotation, ok. Ok. Bien. Donc on va essayer d'atteler ça. On va voir ce que ça dit. Hop. Par contre, je suis obligé de jouer au clavier parce que le volant n'est pas du tout configuré. Oula. Ok. Non. Comment je fais pour atteler ça? Bien. Ça commence bien. Q, attache. Attache, ouais, d'accord, attache, oui, j'aimerais bien l'attacher moi aussi. Non. Ah, ça commence bien. Alors attendez, on va tout simplement aller voir dans les dans les machins de commande. Donc c'est contrôle, je crois. Véhicule, level, disable. Pour la mettre en route, attache, détache. Ah oui, il n'y a rien de coché, d'accord. Pourquoi pas mettre la touche. La touche virgule, d'ailleurs. On va voir ça. Oui, parce que j'avais changé en fait les touches, que c'était pas du tout les bonnes touches pour conduire tout ça. Donc, ah, alors attendez. Voilà, c'est la sauvegarde, donc du coup ça va revenir. Hein, voilà. Normalement, et là, si je fais. Voilà, c'est bon. Impeccable. Donc, ah oui, par contre, du coup. Ah oui, mais ça, bien sûr, c'est à prévoir. Voilà, comme ça. Hop, alors lui, qu'est-ce qu'il va me faire là? Il va pas me rentrer dedans. Donc, ok. Donc là, on l'active avec la touche B. Ok, on baisse ça. Ok, puis on est parti, je pense. Ouais, ça a l'air d'y aller. Oh putain, franchement, c'est stylé, les amis. Waouh, regardez-moi ça. Alors je sais que je pense que vous avez un petit peu tous vu un petit peu ce que ça donnait, même peut-être que vous avez la démo. Là je découvre un petit peu avec vous en réel, j'ai envie de dire. Et franchement, ça a vraiment de la gueule. Ah ouais. Dans ce village, plutôt pas mal là de. Ah ouais. Enfin en fait le silage qui est dans la benne, ça c'est vraiment stylé. Puis regardez le maïs qui rentre dans la barre de coupe, franchement c'est vraiment réaliste. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fera. Bah, ça fera plaisir. Hop, ouais, maïs qui rentre, regardez. Ah ouais, maïs, on voit bien le maïs qui rentre dans la barre de coupe, voilà tout ça. Ah, et puis les pneus qui. Enfin, on voit le maïs qui. Bon, je pense qu'en réel, le maïs s'écrase, mais on voit bien que. En fait, voilà. Ah, par contre, ça en laisse un petit peu sur le côté, d'accord. Est-ce qu'il me suit là? Ouais, il a l'air de me suivre. Waouh, franchement, ouais, les amis, c'est vraiment sympa. Je sais pas si vous l'avez testé de votre côté, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, ça me fera plaisir de savoir. Un petit peu ce que vous pensez de ce jeu. Regardez ça là, les amis, la barre de. Le maïs qui rentre dans la barre de coupe comme ça, mais c'est vraiment stylé ça.
Ça, c'est stylé, les amis. Bon, par contre, c'est un peu chiant de jouer au clavier. Hop, oula. Ouais, ça a l'air de... Allez, tu viens, mon coco. Ok, donc il nous suit tout seul, en plus, le gars. Alors, apparemment j'ai vu qu'on pouvait... qu'il allait tout seul vider au silo, là-bas. On ira voir ça, si ça le fait ou pas. J'en sais rien du tout, honnêtement, les amis. Je découvre un petit peu tout ça avec vous. Et franchement, bah, pour le moment, je regrette pas du tout d'avoir d'avoir fait un don à ce... à Kettle, voilà, pour qu'il teste un petit... Enfin, pour qu'il teste, pour qu'il... voilà, c'est toujours sympa de les aider un petit peu. Voilà, parce qu'après, il faut savoir qu'une fois que, normalement, une fois que vous avez fait le don, c'est-à-dire que vous avez acheté le jeu, en gros, hein, vous aurez le jeu à la fin, normalement, si je dis pas de bêtises. Alors, contredisez-moi en commentaire si je dis une grosse connerie. Mais je pense, hein, sur ce que j'ai écouté, je pense. Ouais, franchement, et puis ça tape sur la benne et tout, ouais, franchement, c'est stylé. C'est vraiment, vraiment stylé. Puis on voit bien les traces de pneus, regardez. Les traces de roues, là, regardez-moi ça, les amis. On voit bien les tracteurs qui, enfin, l'enseigneuse de tracteur qui s'enfonce un petit peu. Il nous avait promis dans les conditions humides que ça allait être vraiment sympa à faire. Ah ouais, franchement, la rentrée du maïs dans le cueilleur, enfin dans le... Ouais, franchement, c'est stylé. C'est vraiment, vraiment stylé. On va essayer de se mettre un petit peu en vue intérieure, pourquoi pas. Hop, on peut dézoomer un petit peu. Oh, par contre, ouais, ça lag un petit peu, ouais. Bon, après, le jeu n'est encore en développement, les amis. C'est une alpha ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est pour vous dire que... Ah, mais tu viens, toi, mon coco? Peut-être ça... D'accord, ça vide à côté. Hop. Ouais, donc ouais, agréablement surpris. Ouais, on se met en vue extérieure, ce sera un petit peu mieux. Hop. Ouais, donc ça lag un petit peu. Je sais pas si la vidéo sera en 60 FPS, mais c'est vraiment prometteur. Hop, mais tu viens pas là? Oh, Maurice. Oh. D'accord, le gars n'a plus envie de venir là-bas. Ok, pourquoi tu n'as plus envie de venir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu n'as plus venir si je remets comme ça peut-être? Ah si, il revient, d'accord. Ok. En fait, je m'attendais. Oh putain, j'en ai laissé un petit peu. Hop. Ouais. Franchement, donc là j'ai mis le jeu en high en termes de graphisme et tout, mais voilà, le jeu est encore peut-être pas très bien optimisé. Voilà, moi je le vois un petit peu à l'écran, ça lag un petit peu. C'est pas hyper fluide, mais ça, je pense que ça va être corrigé par la suite. Enfin, le jeu sera beaucoup mieux optimisé, je pense, d'ici la fin du... Enfin, d'ici la fin, tout simplement. Voilà. Hop, là, par contre, j'en mets plein à côté. Bon, bah, écoutez, c'est juste vraiment pour tester, voilà. Mais il est peut-être plein, non, le gars, non? Non, il doit pas être plein, je pense. Normalement, je crois qu'on peut faire le champ avant qu'il soit... Hop. Tu viens, mon coco, là? Elle vient par ici. Viens, là, mon petit. Voilà. En plus, on voit la trappe et tout de la benne qui s'est ouverte et tout devant. Non, c'est franchement c'est stylé. Ouais, ça a l'air de. T'as le cueilleur est juste énorme en plus là, le cueilleur maïs, enfin le bec. Je sais même pas comment on appelle ça. C'est un cueilleur ou un. Ouais, je sais plus. J'ai perdu. Non, je crois que c'est un. Ouais, c'est un cueilleur. Ouais. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Apparemment, j'ai fini, non? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que tu me fais? Toi, t'es parti? Eh, hey, casse-toi. Je vais pas finir le champ là. Ah mais il va. Alors attendez les amis. Ah ouais. Ah il va tout seul au silo. Alors attendez, on va aller voir. Parce que je sais ça, je vais me dépêcher. Je voulais voir un petit peu au silo comment ça faisait. Parce que. Hein? Ah oui, il prend la route, je pense. Et franchement, cette vue à la troisième personne, c'est vraiment sympa, hein, je trouve. Ah ouais, le tracteur va y aller tout seul. Regardez. Il va tout seul au silo. Il va tourner là, ok. Vas-y, tourne mon gars, je vais peut-être prendre un petit peu d'avance parce que sinon il va vite me rattraper. Ouais, normalement il devrait tourner là. Il tourne là. Ouais, le gars tourne là, ouais, ok. Putain, il va tout seul au silo, les amis. Ça, c'est pas une tuerie. Waouh. Ouais, il y va, hein. Il y va. Bon, on va dessus, mon gars, on va voir un petit peu ce que ça fait. Alors, je pense que j'avais vu sur une vidéo que les textures du silo étaient. Enfin, le mode de. Enfin, pour vider tout ça, c'était pas ouf. Enfin voilà, c'est de la caille. Enfin, c'était pas. Voilà, vous voyez, vous êtes déjà dans le genre. En fait, c'est un tas qui grossit. Et c'est pas des tas qui se déposent, en fait, tout simplement. C'est. Regardez, mais il va tout seul. Ouais, et puis, je trouve que c'est vraiment sympa que le personnage soit animé. Bon, j'espère qu'on pourra changer sa tête. Parce que, bon, on peut pas le voir de face, mais il est vraiment pas beau. Hein. Enfin, bon, bref, ça, c'est pas grand-chose. Mais, enfin, de toute façon, voilà, ça reste une alpha. Ça reste. Voilà, alors là, normalement, il va vider. Ah, regardez ça, les amis, il vide tout seul et tout. Franchement, ça, c'est pas stylé. Alors.
Je sais, vous avez sûrement dû voir déjà des vidéos, voilà, bon, ça va sûrement se répéter, c'est le but, mais c'est pour vous donner aussi mon avis sur ce jeu, les amis, qui est franchement, regardez l'ensilage, voilà, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, bon après ça va peut-être être modifié, voilà, faut pas non plus tirer de conclusion tout de suite, mais oui, c'est un tas qui grossit et pas un. Enfin, qui sort du sol en fait, et pas un, des tas qui se déposent par le haut en fait, ça monte du sol, tout simplement. Mais, ah, il a bien vidé et tout, nickel. Et là il repart au champ, alors peut-être qu'il repart. Où est-ce qu'il repart lui? Tu repars où mon gars? On va te suivre, hein, on va te suivre, on s'en fout. Hein. Ok, tu repars là-bas, d'accord. Donc c'est bien, on peut courir et tout, mais je trouve que le personnage, la troisième personne, et on peut se mettre avec la touche C en vue, entre guillemets, intérieure. C'est vraiment stylé. Ouais, mais tu repars où toi? Là t'es parti, mais t'es parti où là? Hop, ok, on va essayer de rattaquer l'autre champ à côté. Je pense qu'on se quittera dessus, les amis. Regardez mes lanceuleuses, regardez-moi ça, la 3D de lanceuleuse. Elle est vraiment, vraiment jolie. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Puis regardez ça, les passages de roues, regardez comment ça s'enfonce et tout. Ah, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Hop, on va remonter dans lanceuleuse. On va lever ça, hop, on va repartir. On va essayer de repartir là-bas. Alors là-bas, je ne sais pas, mais le mec est parti quoi. Le gars est parti, complètement. Ok, le mec s'en va. Driving too fast. Ok. Il va peut-être me revenir. Les panneaux sont en collision ou pas? Non, c'est bon. hop. Putain, par contre, ça glisse. Hein. Mais le mec est. Non, mais. En fait, tu viens pas là? Ah, en fait, ça a détecté la deuxième benne. Alors, comment on fait pour faire venir l'autre? J'ai vu ça. Ah, d'accord, c'est l'autre qui revient. Donc j'ai appelé la benne normalement avec ça ici. Normalement, c'est call trailer. Donc du coup, je vais appeler la benne. On va voir ce qu'il fait. On va voir s'il vient ou pas. Hop, je baisse ça. Est-ce qu'il vient? Ouais, il a l'air de venir. Il a l'air de venir. J'espère qu'il va me détecter l'autre benne. Donc voilà, donc là, c'est reparti. Peut-être juste enlever au pire la TH. Comme ça, c'est un petit peu mieux. Ah, mais ça me vide dans l'autre benne en fait. Non, mais il va peut-être détecter l'autre là. Il détecte pas l'autre là? Et y'a l'autre là mon gars. Oh, tu prends l'autre, y'a l'autre qui est juste derrière toi. Hein. Ah voilà. Ah ok. Ok. Juste à la fin on ira voir. Oh putain mais là ça patine de fou là. Ah ouais. Ah ouais, ça patine de fou là les gars. Là les gars. En fait c'est des petits champs tout simplement, d'accord, ok. Ok. Hop, on va relever ça. Pire petit, on va faire un petit demi-tour au pire directement. Oh, ça tu tournes Maurice là. Alors là, parce que c'est en collision. Non, c'est pas en collision. Bon, écoutez, c'est pas. Hop. Ah non, par contre là, j'ai le cueilleur levé et le gars il. Voilà. Alors là, je sais pas ce qu'il va me faire là. Ouais, alors attendez, je vais le laisser tourner. Mais franchement, les amis, franchement, ça a vraiment, vraiment une gueule de fou. Je suis vraiment pas déçu. Juste la texture des pneus, enfin les pneus que je trouve un peu bizarre, mais bon, ça peut-être qu'ils ont changé. On sait pas, voilà. Faut pas tirer de conclusion sur ce jeu. Pour le moment, ce qu'ils proposent déjà là, merde. Ce qu'ils proposent déjà là, c'est juste énorme. Enfin, pour moi, c'est juste énorme. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui adorent. Mais regardez ça, les amis. Enfin, vous allez voir l'ensilage qui rentre dans la barre de coupe, on verra à la fin. C'est comme en vrai, quoi. Genre, c'est pas bugué tout ça. Ça, c'est vraiment au point. Vous voyez le maïs cap qui est tiré vers le milieu de la barre de coupe, vous voyez? Regardez. Hop, franchement ça se couche et tout, ça fait vraiment comme en vrai, on voit bien le rotor tourner, tout ça, on voit même un peu de poussière voilà, qui sort des copeaux, tout ça qui sortent de la barre de coupe. Et ça franchement les amis c'est vraiment stylé. Hein. Y a pas à dire, hop, on va essayer de reprendre comme ça là. Et puis on se quittera dessus les amis, je pense qu'on va pas faire plus longtemps. Pour cette petite vidéo sur Catalan Crops, voyez, hop, il me suit. Impeccable. Impeccable, impeccable. Nickel. Nickel, nickel. Bah écoutez, il y a du maïs partout, il y a du maïs là-bas aussi. Ok. Ouais. Bah écoutez, les amis, ouais, franchement, agréablement surpris de ce jeu. Tout simplement. J'ai pas de mots. Ouais, non, agréablement surpris. J'espère que. Bah, n'hésitez pas à me dire déjà en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, parce que ça m'intéresse de savoir un petit peu votre avis sur ce jeu-là, mais franchement, sur ce qu'il nous propose là, déjà pour voir que c'est une alpha, c'est pas du tout le mode, enfin le jeu terminé, hein. Et regardez-moi ces tracteurs, les amis, ils sont vraiment, vraiment jolis. Bon, lui, il conduit avec le volant en l'air, bon, c'est pas très grave, c'est normal. Mais regardez ces Ben Awo qui sont juste magnifiques. Ouais, franchement, il y a pas mal
de tracteurs, tout ça qui vont sortir. J'ai vu qu'il y avait une Tucano qui va sortir également, donc ça promet vraiment du lourd pour ce jeu, les amis. Déjà avec des matériels de base, il y aura quand même pas mal de beaux matos déjà, donc ça fait plaisir. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Bien sûr, pensez à commenter, interagir avec moi à propos de ce jeu. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous pensez des nouveaux jeux comme ça. Mais voilà, ça fait plaisir franchement de voir un nouveau jeu comme ça. Ça change un petit peu aussi et ça permet voilà d'hausser le niveau. Farming devra faire encore mieux sur le 19, je pense. Donc c'est bien, ça me fait de la concurrence et c'est top pour nous quoi. C'est ce qu'il faut tout simplement. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.